les canaux devaient être réellement des terres appartenant au peuple d'Israël. Josué les a déjà distribués. Terre t'appartient, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Distribués, mais jusque-là, ils n'ont pas encore dans cette terre-là. Ne te réjouis pas seulement lorsque Dieu te dit de grandes choses. Ne te réjouis pas seulement lorsque Dieu te prophétise. Dieu utilise quelqu'un pour te donner la prophétie. Ne te réjouis pas, ne te limite pas à ça. Mais il faut se lever pour livrer la bataille pour que tu puisses s'installer dans les domaines dans lesquels Dieu a voulu que tu sois. Amen. Et il y a encore quelque chose que j'ai aimé ici. Bien que Dieu a dit que c'est la tribu de Juda qui va aller en premier, après d'autres tribus viendra après. Mais la Bible nous dit ici, ce n'est pas Dieu qui a dit. La Bible dit ici, le peuple de Juda ont appelé le peuple de Siméon. Il dit, Siméon, viens combattre avec nous pour que nous puissions avoir ce territoire de Canaan. Et lorsque viendra encore votre tour, nous aussi nous allons venir combattre pour vous. Nous le voyons dans Juges chapitre 1, verset 2. Le verset 2, le Seigneur répond, c'est la tribu de Juda. Je le livre, le pays à son pouvoir. On va remarquer que tous les tribus avaient droit de prendre chaque partie de Cana. Cana était comme une région. Cana était comme un continent. Il y avait beaucoup de pays. Tout ça, c'était Cana. Les Philistins, les Amorélites, les Phrygiens, les Gibiciens. Il y avait beaucoup de territoires. Tout cet étendue-là de Moyen-Orient, on l'appelle ça Cana. Et maintenant, chaque tribu devait prendre sa possession selon le tirage au sort qui venait par la prophétie. Telle sera la partie de Juda. Cela veut dire quoi? Nous avons des héritages pour l'Église, pour le peuple de Dieu, mais chacun de nous a son héritage particulier pour lui. Il doit combattre pour son héritage. Il doit combattre pour sa destinée. Mais ici, j'ai aimé, je suis là. Alors les hommes de Juda disent à ceux de la tribu de Siméon, ils ont choisi. Les hommes de Juda disent à ceux de la tribu de Siméon, les frères de Juda, venez avec nous prendre les territoires qui nous revient. Tu vois, venez avec nous prendre les territoires qui nous revient. Ils étaient déjà là, mais ils n'ont jamais pris ça. Prendre, ça veut dire posséder maintenant. Ça dit, tu commences à disposer ça. Venez avec nous combattre pour prendre les territoires qui nous revient. Juda a choisi maintenant Siméon qui était son frère. Nous avons la responsabilité, à part la mission que Dieu nous a donnée, nous avons la responsabilité de prendre le myopie spirituel, de prendre les lunettes spirituelles, les GPS spirituels pour localiser les amis de la destinée, des gens qui peuvent vous soutenir dans votre bataille pour prendre le territoire. Dieu ne peut pas te dire que non, tu dois prier avec telle personne et donc tu dois chercher telle personne. Là, c'est toi-même. Tu dois rechercher qui est l'ami, qui est la personne qui pourra porter le fardeau avec moi pour que j'arrive dans l'endroit où Dieu m'a destiné. Ici, c'est la loi de l'association. C'est très important, la communion fraternelle. Il y a certaines choses, il faut les faire accompagner. Certaines choses, il faut les faire avec quelqu'un pour t'aider. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Deux valent mieux que un ». Deux valent mieux que un. Il y a la différence entre bien et mieux. Mieux, cela veut dire, c'est la perfection du bien. La Bible dit « Lorsqu'ils sont deux, c'est mieux que un ». C'est mieux que un. Donc, il est avantageux que tu puisses chercher des amis de destinée. Dans la vie, il ne faut pas être seul. Tu es seul, tu te contentes seulement, tu es seul. Tu n'as même pas personne à qui tu pourras confier tes secrets. Tu n'as même pas personne à qui tu pourras parler de tes difficultés. Tu n'as même pas personne à qui vous pouvez pleurer ensemble, s'embrasser ensemble, prier ensemble. Vous n'avez pas de confident, vous n'avez pas d'amis de destinée. Vous êtes seul, vous marchez seulement seul. Là, vous allez souffrir. La Bible dit deux valent mieux que un parce qu'ils vont tirer une grande rémunération. Ils vont tirer une grande rémunération. Deux valent mieux que un. N'aimez pas seulement être seul. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils sont seuls. Beaucoup de pasteurs meurent avant à cause de quoi? Ils sont seuls. Ils sont seuls. Seuls comme ça, il est environné de beaucoup d'ennemis par-ci, par-là. Il voit que c'est lui
qui parle bien, celle lui qui a Dieu, celle lui qui maîtrise la doctrine. Il est là et maintenant au moment des problèmes, il est en train de mourir à pétuffé. Il est en train de mourir à pétuffé. Il n'a personne pour les parler. Il n'a personne pour les soutenir. Et même des enfants, il n'a personne pour les soutenir. Oh, tu dois avoir un ami par lequel tu dois lui parler. Mon cher, vraiment ces derniers temps, je raconte ceci, je raconte ces problèmes, je raconte telle faiblesse, je raconte ceci. Et maintenant, la personne de confiance, un confident, la personne à qui tu peux lui livrer ton cœur, tu peux lui livrer ta nudité. Et cette personne pourra te soutenir par rapport à la mission. C'est très important. C'est la raison pour laquelle la Bible dit il est doux, agréable aux frères d'être ensemble. C'est comme une huile précieuse qui descend de la tête d'Aaron jusqu'aux vêtements. L'huile précieuse, c'est là où Dieu envoie sa bénédiction, c'est-à-dire la présence qui favorise des choses. Lorsqu'il y a l'unité, il y a la force. Judas, c'était à lui de combattre, mais Judas a cherché son ami, a cherché son frère Siméon pour combattre ensemble. Et ensemble, la Bible nous parle comment est-ce qu'ils ont vaincu les rois, comment est-ce qu'ils ont gagné les territoires. Si cela n'était à négliger, mais Jésus-Christ n'allait pas parler de cela dans Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Lisons ça. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Jésus nous révèle la loi de l'association, la loi de l'unité. N'aimez pas ce maître seul. Tu souffres seul. Tu n'as personne pour te motiver. Tu n'as personne pour remonter ta morale. Tu n'as personne pour t'encourager. Tu es la seule. Tu es la seule. Et aussi tu te réjouis que tu es seul. Mais non, tu ne peux pas aller seul. Tu dois avoir quelqu'un qui pourra là pour t'aider. C'est important. C'est la raison pour laquelle l'église est très importante. Parce que nous constituons une équipe. Nous constituons une association des enfants de Dieu. Et nous pouvons nous soutenir pour aller en avant. Mais aussi c'est mieux aussi de chercher un ami. C'est important. Chercher un ami sur lequel vous pouvez vous payer les prix ensemble. Un véritable ami. C'est très important. Celui qui pourra de soutenir, mais ceux qui se sont mariés, d'abord les premiers amis, ce sont leurs partenaires, ce sont mari, soit sa femme, c'est les premiers amis, mais à part ça, tu dois toujours avoir quelqu'un sur lequel tu peux les livrer toute la vérité pour qu'il puisse te soutenir dans la prière avec lui. Regardons, Jésus nous parle de la puissance de l'alliance, la puissance de l'association, Matthieu 18, le verset 19 à 20, il dit, « Je vous l'ai dit encore, c'est la vérité. » Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans le ciel fera que au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans le ciel fera pour eux ce qu'ils demandent.